Et bonjour la VOD. De retour, on va à l'anniversaire de Pearl. En espérant qu'on arrive à temps. Ah bah il fait chaud ici. Petit peu, oui. J'avais presque oublié. Ah bah dis donc, c'est vraiment... C'est un prospère. C'est-à-dire que c'est plus ou moins... C'est plus ou moins une chaise avec une crinière. Ah si. C'est pas... Ah, ça a l'air d'être chaud. Ça a l'air d'être chaud. Et tu veux pas appeler Tartiflette par hasard? Enfin, pas Tartiflette Tempête. Je voudrais pas passer pour une passe. Je vais quand même lui offrir. Ah oui, t'as raison, oui. Faut être contente, mais... hein. Bah, il est faillant, hein. Il a quand même survécu à une attaque de Grizzly, hein. C'est pas mal, il est courageux. Mais... Va falloir lui trouver une histoire, quand même. Ah oui. Un truc, quoi. Genre, il était fait pour elle. Bah, lui, il sera vraiment... C'est... Il y a une thématique avec le gris, hein. Il est tout gris, il survit à une attaque de grizzly. Bon, bah. Un truc, c'était destiné. Waouh! Un beau chapeau, t'as vu comment il défonce? J'adore comment il se trouve. D'accord. Mais je vais lui filer son cadeau. Oui, il file à cheval, tech. Portez tout de suite. Je balance. Viens dans le cadeau. Comme si je faisais couler le cash. Ça se balance depuis le cheval, là. C'est ça. Bonsoir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Oui. Bonjour Monsieur Forêt. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous? Par contre, il y a mes meilleurs amis là-bas. Oui. Je vous dévoile de cadeaux. Oui. Vous avez envoyé justement un télégramme. C'est pas grave, hein, je me doutais bien. Joyeux anniversaire. Bougez pas. Attends. Comment ça va? Vous voulez donner votre cadeau d'abord? Alors attends, non, allez-y, oui. Allez-y. Oui. Non, j'ai dit allez-y. Ou dans quel sens vous préférez? Voilà. Bon anniversaire. Merci. Monsieur Forêt, vous voulez pas chercher votre cheval devant le chalet? Bah en fait, c'est pas mon cheval. C'est un cadeau. Ouais. Peut-être devenir riche grâce à vous. T'es parti du cadeau. Merci beaucoup. Ouais, alors sache qu'il va y en avoir deux en plus. Ce sera les miens. Oh, on n'a pas le même budget. Non, trois. C'est... Mais c'est autre chose, pour toi. J'ai trouvé des pipes mentholées. Vous savez que ça fait un moment que je cherche des pipes et que j'en trouve plus. Bon, et j'espère que vous aimez bien la couleur de celui-ci parce que c'est le cadeau aussi. Le cheval? Oui. Waouh. Regardez ce qu'il fait. Oh, regardez. Ça veut pas. Il fait une petite danse. Oui, alors c'est un cheval danseur. Ah. Alors attends, j'ai pas réussi. C'est parce que j'ai plus de place dans mes poches, je crois. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, mais j'ai trop de bouteilles d'alcool. Oh, vas-y, donne-moi ta tequila, là. Il faudrait tout boire. Merci, Mr. Franker. Elle m'a offert une bouteille d'alcool de chaque saloon. Mais oui. Comme cadeau d'anniversaire. Pas gagné, hein. Moi, je sais ce que je vais faire. Regardez. Voilà, regardez. Ah, j'aime bien cette solution. Regardez, hop là. Rien de secret, voilà. Rien de secret. Tout ça fun. Tout ça fun. Oui, c'est pas ça. Bah, tout se transforme. Ah, je sais pas. Bon, tout peut s'affonner aussi. Oui. Attention, vous allez me donner des trucs, je pense. Ah, moi. Oui, je pense qu'elle donne des bouteilles. Oh merci! Ah bah y'a plus de tequila au saloon! Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a plus de tequila au saloon! Ah oui, bah oui! C'est ta faute, hein! Ah bah c'est gentil! Voilà! Arrête de gratter comme ça! Les petites pipes mentholées!
Et je t'ai donné 3 tickets. Et des pipes. Ouais, des pipes et des pipes. Il y a intérêt à ce que tu gagnes des centaines de dollars. Hein, que... Ah bah ouais. Par contre. Bah, Liam, il est beau, de... hein. Si vous voulez de la tequila, au chalut, je peux vous en sortir. Hein. On en a dans les coffres. Ah d'accord. Oh, bah, elle m'en a donné Pearl, c'est gentil. J'ai pas de me demander si vous en avez besoin. Ça marche. Bah, c'est quand je suis passé, personne, mais d'accord, c'est bon à savoir, merci. J'ai eu un collier de perles aussi parce que je m'appelle Pearl. Oui, alors, je pense que tout le monde y a pensé. Oui. Et quand c'est tous dit non, quelqu'un va le faire. Et Daphné l'a fait. Ouais. Voilà. Oui, moi je peux faire les bips. Eh, doucement. Oh oui, buvez la tequila, ça sert à ça. Hein. Ah oui, ouais, bon, moi direct. Hein. Bougez plus. De quoi? Hop. Des cougars dans la région? Ouf. Ouais, il y en a dans plein de régions, des cougars. Hein. Vous m'avez donné des tickets aussi, c'est ça? Bah oui. Oui, mais ça se noie dans ce que monsieur dit. Voilà, je vous donne même un petit oiseau. Oui, bah ça fait un ensemble. Oui, c'est ça. Possible qu'il soit un petit peu mort, mais bon, c'est un détail. Et si vous le voulez, celui-là, il t'avoue. Hein. Il est vachement joli, il a survécu à une attaque de grizzly. Regardez, lui. À peu près. Un cheval que vous avez. Oui. Oui, mais je vous le confie. Voilà, après elle peut pas le garder donc. Ah oui, mais ça je le sais ça. Moi non plus je peux pas le garder. Elle peut le revendre. Bonsoir. Mais pour ce soir, elle c'est peut le revendre à 1$ hein, en ce moment. Bon, ah, au pire. Plein de cadeaux, Max. Ben oui. Mais t'as pas encore le mien. Oui, j'ai pas eu le tien. Ah, est-ce qu'il faut qu'on fasse un jeu? J'ai eu 56 tickets de grattage. Et j'ai plein de pipes. Et des pipes. Ah, tant qu'elle est taillée sur place, moi ça me va. Un moineau et un cheval. En fait, Max va m'offrir emballé dans un oui. cadeau. J'ai prévu ça c'est ce ça. Soir. Ah bah, je vais dormir à la belle étoile. Mais tu te posais encore la question, toi. Et soit tu m'as fait un poème aussi. Ah. Oh, sympa. Mais je suis pas très doué pour les poèmes donc. Bah, Swan, il est doué, il a fait un joli poème. C'est ouf qu'on est sur un je te l'offrirai, t'inquiète pas. Oui, parce que vous êtes en altitude sur votre dragon. Là. Pas devant tout le monde, c'est ça? C'est parce qu'en en ville, il faut garder ses vêtements. C'est ça. Oui, c'est oui, le temps oui, que je m'emballe et tout. Oui. Ouais. Bon, par contre, Pearl, si vous gagnez, c'est un de mes tickets. Hein. Ah, ça veut dire qu'il faut que je partage avec vous? Non, mais ça veut dire que c'est un des miens, c'est pas un des leurs, obligatoirement. Ah oui, d'accord. C'est forcément un des miens. C'est grâce à moi. Si effectivement, ce sera pas un des miens. Vous gagnez. Non, mais j'ai servi de paratonnerre, t'inquiète pas, j'ai gratté tous les perdants. Putain, direct en plus. Oui. C'est vrai. Oui, alors j'ai gagné un ticket à gratter. Tu t'as gagné vous, les chasseurs. Bonjour, les chasseurs. Bonjour. Ah oui, c'est nous. Eh, bonsoir. Les légendaires. Oui, les chasseurs légendaires. Vous avez trouvé ce que vous vouliez. J'y vais, pardon. Bah oui, c'était la miss. Oh, pardon. Ouais. Ah d'accord. C'est quel type d'animal légendaire après? Ah, c'est un Ray Dukes. Oui, bah vous me dites. Ah. Très très rare spécimen. Oui, c'était lui qu'on cherchait. Pas de problème. J'ai dit que je vivais en verre à Armadillo et qu'après... Regardez, on vous présente. Faites attendez, ce que vous voulez, moi, c'est je... Madame la Baronne et puis... Ça fait plaisir, vous avez un bon anniversaire. J'ai plus votre temps. Éléonore. Oui. Éléonore. Passons demain. Venez, on vous présente. On fait ce qu'on a dit, vous êtes dispo? Oui. Soit. Oui, il n'y a pas de problème. Vers 21h à peu près. Ça parlait de moi, derrière, j'attendais. Oui. Vers 21h. Oui, 21h, ça me dit. Je vais pas les couper. Ok. Moi aussi, hein, je vais... Je vais faire... Bon, ces dames. Oui, c'est parce qu'on vous présentait à ces dames. Il y a Madame la Baronne. Guten Tag, enchanté. Voilà, qui vient de. Voilà. Qui vient d'Allemagne. C'est pas moi. Dortmund. Avec Monsieur Duke et Swan, on va faire. Et puis Madame Eleanor. La ville pour trouver des éléments pour la chasse au trésor. Ah, demain Eleanor. Oui, une chasse au trésor demain. Oui. Ah. Non, en fait, je vais en organiser une avec le journal. Oh, super chouette. La quatrième Eleanor. Comme Monsieur Duke qui connaît toutes les lits par cœur. Oh, c'est chouette. On va aller cibler les pays pour faire des énigmes, pour justement que. Une vraie chasse au trésor avec des énigmes. Du coup, c'est Monsieur Duke. Monsieur Duke Snecker. Oh, c'est cool. Faut juste qu'on arrive à faire des énigmes. En tout cas, vous avez une voix, mais je tiens à suivre. Et vous devenez quoi, Denise?
bah dingue. Je deviens une chasseuse légendaire. Une chasseuse légendaire, hein, vous chassez des animaux rares. La dame de ouais, on l'a fait pour la première fois hier. Ça va, c'est pas pour la galère. Oh, on a passé deux jours dans une forêt avec Dieu qui est prospère à attendre un quatre pattes. Ah oui, d'accord. Un cougar, enfin non, une panthère mais qui en fait bien. S'avérait être un renard, bien. Mais sinon ça ah, va ah, super. Ça va soirée, du coup. Oui, on a vu un crocodile invisible aussi. Non, on vit des aventures. Vous avez eu des aventures incroyables. Mais bon, on se fait un peu des sous parce que. Parce que pour racheter le théâtre, il en faut. Ouais, c'est bizarre ça. Oui, mais en fait, c'est une taxe à payer surtout. Ah, parce que oui, je pensais que c'était sur dossier. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même l'acheter au début, puis des taxes. Une taxe de combien ? Alors, je sais plus, mais je crois que ça allait. Combien ? 10 dollars ! Bravo ! Combien ? 10 dollars ! J'ai gagné 10 dollars ! 10 comme mes mains. Mes doigts. Ah, pas mal. De quoi ? C'est combien les taxes prévues pour le sable ? Je crois que c'est 5 dollars par semaine, si ça n'a pas changé. Oui, ah oui ça c'est même. Les taxes de base, mais au niveau de l'achat en lui-même. Eh ben, il nous a dit que ça allait être 10 dollars symbolique. Ah ok, vous devez. Mais c'est surtout que c'est ça surtout pour les artistes. Il faudra quand même les rémunérer pour les faire venir. Ah oui, et on a entendu parler d'une petite chanteuse aujourd'hui. Oula. Faudra quoi ? On a rencontré une petite chanteuse aujourd'hui qui peut être pas mal. En plus de toi, bien sûr. Oui, parce que j'allais dire, vous n'avez pas pensé à moi. Mais si, bien sûr. Monsieur. Et on voudrait... Ah oui. Et ça aussi, ça pourrait être bien. Et faire une vente aux enchères dans ce théâtre. Vous allez la faire chanter ? Bah ça, c'est si on a besoin de faire fuir les esprits. Oui, si vous avez besoin, oui. Exactement, si vous avez besoin, on est d'accord. Oui, oui, oui. Bah si, merci. T'as une voix qui exorcise les lieux. Petite lanterne. Merci beaucoup. De toute façon, tu t'en fous, tu viens pas à mes spectacles. Oh de toute façon, je m'en fous, je suis sourd. Quel spectacle ? Moi, je serai au premier rang, mais j'achèterai plein de places. Mais c'est gentil. Et je viens toi, pas Swan, à tes spectacles, t'es gentil. T'es gentil, hein. T'es pas venu à mon concours de chant ? Ah oui, je faisais quoi, là, ton concours de chant ? Comme on dit dans le jargon, c'est Choupa. Ah ouais ? Tu te souviens pas ? C'est pas faux. Non. Bah, je me faisais chier à une réunion des mères. Super. Choupa ? Ah ouais, non. Ouais, ça Choupa. J'ai gagné encore 10 dollars ! C'est quoi qui Choupa ? On a gratté combien ? Si on écoute la conversation, c'est bien qui choupa qui. Donc c'est les nôtres. Moins de 10 et je suis déjà à 20. T'as rien compris. Je comprends rien du tout. J'ai gagné une fois 50. Hein ? J'ai gagné une fois 50. C'est pas cool. Tous les autres, je les ai perdus. La dernière fois, Maxime, on a offert genre 8. Non, 15. Ni tu as vécu. J'ai gagné 15 dollars sur les terres hispaniques ou mexicaines. Non, on peut gagner 15 dollars. Bah non, enfin, on gagne 15 dollars à la frontière. Oui, mais ça veut dire qu'il y a plus. Je savais pas s'il y avait en dessous de 5, en dessous de 10. Il y a plusieurs fois. Si, il y a 5. Oui, il y a 5, oui, d'accord. Il y a 5, ouais. Okay. Et bon, à part, c'est bien. Bien. Et c'est super. En vrai, 5 dollars, ça va, super. Ça rembourse. Oui, c'est remboursé, exactement. Ils veulent pas que j'en gratte trop. J'ai envie de faire. Si, je suis Esteban de la Vega et je vais te mettre une balle dans la cabeça. Bien, gringo. Oh, il est parti, monsieur Duke, j'ai un peu eu le temps de dire au revoir. Non, en fait, il a. Il y a mal de tête. Ah, d'accord. Mal de cabeça. Mal de cabeça. Oui. Hein oh, bouge pas vert. À mon avis, il va revenir. Elle va réapparaître. Est-ce que je me permets de faire une Esteban de la Vega ? C'était tiens. Est-ce que tu veux que je t'aide à gratter ? Ah. Ouais, je m'en vais. Je crois qu'il y a des trucs. Oh non, je n'ai rien fait. Mais pour faire rigoler la galère. Grattez-moi ! Hein ? Non, je ne veux pas être la victime de ceci. Monsieur Duke, j'ai déjà gagné 20 dollars. Oui. Ah, bien. Oh. Combien ? Ça fait plaisir. 20 dollars. Ah ouais, ça commence à devenir bien. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Ouais, du coup, je vais gagner des bouteilles, je pense. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Nine. Ah bah, ils ont disparu dans le néant. Non, non, sérieusement. Ah si, c'est ça. Ah d'accord. Donc, oh là là, on me le croit, désolé. Les apaches, tout à l'heure, ils disaient qu'il y avait plein de gorditos blessés au pied. Et des bouteilles. Combien ? Normalement, j'en avais 4. Ah bah, vu que Joey, il a réussi à venir, ça veut dire qu'il doit être soigné. Combien ? Ah, moi, c'est l'anniversaire de Pearl Swan. Bah, ça tombe bien. Et bah, la bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, Luke. Ouais. Quelle est l'idée, là ? Ah, on m'a bonne soirée. A bientôt. Eh ben bonne soirée. Oui. À très bientôt. Bonne soirée. J'ai appelé mon cheval, je voulais pas. Ça fait mal. Elena. Libre chance, toi.
J'ai appelé Bijou sans faire exprès. Libère-moi, je te dis. Amphitisène. Amphitisène. Dites. Oui. Monsieur Duke qui est parti un peu en flèche parce que Madame Daphné, elle est là. Ouais, et surtout maintenant, elle est avec Monsieur Dubois et je pense que c'est un petit peu... Ah, mais c'est chiant. Je pense que... Parce que ça allait, ils se voyaient un petit peu, mais je crois que c'était avant qu'ils se mettent avec... Qu'ils se mettent... Je parlais pas trop fort. Ouais, qu'ils oui, se mettent oui, avec... avec Monsieur Dubois, mais je pense que du coup, il a, voilà, il s'est peut-être un petit peu senti bah oui, trompé quelque chiant. Part, quoi. Ah, j'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'il est pas bien aussi. C'est qu'en plus, ça fait que toute cette troupe-là, bah, il les voit plus, quoi, je pense. Bah oui, mais du coup, ça me fait chier parce que on, voilà, donc on reste ici et oui, bah, en tout plus, seul. Eux, ils s'en vont, quoi, du coup. Bon, bah sinon, on peut essayer de le rattraper, hein. Ah, il court vite, le monsieur. Ouais, le dinosaure, ouais. Bah, sinon, on lui envoie un télégramme. Oh, oui, c'est pas. Hey, oui, c'est un cadeau. dites, les deux, là, je les aime pas non plus, hein. C'est qui là-bas? Bah, c'est la baronne et sa copine, là. Ouais, on a croisé au salon. Elles sont louches un peu, celles-là. On dirait que partout où elles vont, faut qu'elles fassent un spectacle. Mais ouais. Et puis bon, bah. Elles font des blagues qu'il n'y a que qu'elles qui comprennent. Oui. C'est pas des. Vous voyez, ça, c'est pas des gens comme nous. Ils sont pas cool et sympas. Non, c'est des gens compliqués. Bizarres et compliqués. Mais bon. Ah, c'est chiant. Et pourquoi ils sont là? Bah, du coup. Pourquoi ils sont là? Bah, j'en sais. Bah, elles sont arrivées. Alors, du coup, j'ai dit, bon, bah. Je vais vous présenter. Je vais être sympa. Attention de Nice, quoi. Parce qu'elles étaient là comme des ronds de flanc. Ah. Et puis c'est bah, du maintenant, silence. Je sais plus si c'est du salut, désolé si c'est pas le cas. Ah oui, elles sont arrivées comme ça, quoi. Bah, j'ai envoyé un télégramme. On appelle ça ça que c'est. Oui, dis-lui qu'on le rejoint quelque part. Oui, voilà. C'est vrai que les deux baronnes là, je... J'ai l'impression que c'est des persos qui vont chercher les embrouilles un peu. Je trouve ça rigolo, hein. Mais du coup... J'ai entendu quelque chose. Non, surtout qu'il y avait personne à droite de toi, alors c'était une bonne blague. Comment ça, le karma? Tu vas bien? Ah bah, j'espère que... Oui, c'est que... parce que j'aime tellement Swan que je fais des câlins. Ah oui. Ouais, tu fais des câlins très fort. Tu fais des câlins très 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 fort. Très très fort. Vas-y, comprends, je comprends. Ah merde. Allez, tenez mesdames. Prenez une petite tequila. Voilà. Alors ça, c'est mon employé. Mais c'est la demoiselle, c'est Moira. Qui? Non, c'est pas Moira. Et Guten Tag, hein, tu vois. Et Guten Tag. Déjà, ton employé qu'elle est pas très polie, s'il te plaît. Pour les gens de l'université, s'il te plaît. Tu veux encore? Merci. T'as dit à Dubois? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je vais le relire, parce qu'après, je vais faire les histoires. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais je me comporte pas plus mal. J'ai pas entendu non plus. Attendez un peu. Mais je crois la principale intéressée, entendu.
Revenez devant moi. Non, j'ai pas entendu. Ça va faire mal. Hop là. Voilà. Ah, d'accord. Allez. Ah, d'accord. Pas... Vous êtes violente. Mais non, voyons, c'est tout à fait. C'est traditionnel. C'est mexicain. C'est mexicain. Après, vous êtes violente, vous allez vous périr ici. Hein. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, j'ai une marmite si vous voulez taper plus fort la prochaine fois. Alors, non, je ne souhaite pas taper plus fort avec une marmite, je ne souhaite pas non plus vous tuer, monsieur. C'est seulement. Pas amical, mais gentil. Ouais, je ne souhaite pas faire du mal. Ouais. Pas c'est des gentils coups de poil, d'accord. Voilà. J'aime pas beaucoup. Moi. Ah, vous allez vous plaire à Armadillo, hein. Ah oui. Ah oui. La dernière fois que je suis passé, j'étais au concours de ligotage en pleine rue. Ah, écoute. Concours de ligotage en pleine rue. Faire avec. Mm-hmm. Eh ben. Mm-hmm. Ouais. Je me demande qui peut faire ça. C'est vraiment des gens pas du tout civilisés. C'est vrai. Imaginez. Est-ce que vous visez Oui. Allez-y. R du bois. Dites-moi. Je vais encore vous embêter. Bon, vous m'embêtez pas. Eleanor, c'est dans les sacoches de la vieille carne. C'est pour Je l'appelle. Ah, c'est ça. Ah, je vais l'appeler. C'est Max, t'as entendu le bruit Putain, bah, le temps qu'il arrive, on aura le temps de crever. Hein. Il se passe quoi sur ta carte, Max? Parce que ça fait 20 minutes que tu la regardes. Le fameux Napoléon. Et il y a besoin de donner des. Ah, oh là là. Ah bon là, juste tu prends alors, les balles alors j'ai gagné 35 dollars le télégramme tu viens ici quand même hein ouais, c'est pas mal mais je peux gagner autant moi ah si j'ai gagné 50 mais en une fois j'en suis à 58 il te donne ton numéro 50 2 il me reste encore 14 mais j'en avais 58 en tout ah oui quand même vas-y ah là j'en suis à 40 dollars est-ce que vous m'en a offert genre 50 et quelques. Moi, je m'attendais à déjà vous seriez à 400 dollars en fait. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé 100 dollars par mois. Bah, carrément, ouais. Ah ouais, moi j'en ai. Et d'ailleurs, tu vis où toi maintenant? Moi? Mais il me semble que c'est. Attendez. Une maison un peu plus haut sous le. C'est pas celle de Tumbleweed? C'est pas la policière qui les étouffe. Non, j'habite à Armadillo. Ah, ok. Oui, il me semblait que j'avais entendu que. Tu... Bah, si ça dérange pas. Bah, je finis de gratter. Gratte. Enfin, j'en suis sûr, même ça allait. Ça allait vous être. Oh, félicitations! Ah, avec Max, gros, du coup, cadeau, avec un autre. Et regardez ce que j'ai eu en fiançailles au lieu d'une bague. Ouais, y a la dame, oh, mais ça, j'étais sûr que ça plairait plus. Ah. Oh. Il y a eu un évite fiançailles. Et écrit, wow. Écrit quelque chose dessus? Non. Ah. C'est quand même mieux qu'une bague, on est d'accord? Oui. Bon, ah, bah ça tient plus, oui. Bravo! Non, je veux quand même une bague, hein! Un bel cadeau! Et vous avez fixé une date ou pas? Non. Ok, bah préviens-moi que je m'arrange pour être là, si je suis invité. Ah, ouais, et on fera un enterrement de vie de jeune fille incroyable! Voir, on essaiera de voir pour qu'il y ait le plus de monde possible. Oh, c'est chouette! On essaiera de s'arranger, ouais. Peut-être les week-ends, c'est mieux, je sais pas trop. Par contre, ça va être compliqué avec. Oui, bah écoute, hein. Pour un mariage, il y aura beaucoup j'espère, de monde, c'est moins grave. Ah, ça va, ils sont pas obligés de se croiser non plus. Oui, c'est ça. Quand il y a plein de monde, quand il y a plein de monde, c'est moins gênant parce qu'il y a plein de gens avec qui interagir. Arrête avec ça. Bah oui, c'est pas sympa. Non, je pense qu'il y aura pas de soucis pour voilà, quand c'est quelque chose de spécial. Bah, j'espère. Mais bon, forcément, c'est compliqué. Ça complique un peu les choses. Oui, je comprends. Moi je suis totalement. C'est trop compliqué d'être adulte de toute façon. Ah, ça, Swan. Je le fais pas dire. Hein. Être adulte c'est très 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 compliqué. Il m'en reste 4 à gratter. Bah, l'enfant, t'as les bouts du doigt tout au gris. Oui, à force, oui. Gratte avec mon Evie maintenant, regarde. Je crois que t'as dit avec ton nez. Oui, moi aussi, je me suis dit, ça a pas l'air efficace. Ah, je pense que. Je peux essayer. Avec mon couteau, il s'en fout, Swan. Oui, bah, c'est oui, bon. C'est fait pour. Moi, ça. Même le couteau, quand je suis à côté, c'est un peu. Oui, ça. Je pense à la flèche, si tu vois ce que je veux dire. Eh, j'en suis à 45 dollars. Hein. Ouais. Oh. Ça monte. Je voudrais pas être. En 2 millions de tickets, ça va. Ça va. Sur 200 dollars dépensés. Tu peux ranger ton couteau, s'il te plaît. Au moins. Et je gratte Mais tu peux le ranger quand même, s'il te plaît. Mais je vais pas te faire mal. Mais non, mais c'est pour là. T'as peur, vraiment?
Je peux pas demander aux personnes qui étaient là juste avant de pas tirer en ville alors que toi tu sors une arme, tu vois. Et moi je tire pas sur un pauvre cheval qui a rien fait. Ouais, surtout, ouais. Oui, c'est vrai. À côté de deux personnes. Oui, c'est des énergumènes un petit peu, ça. Bon, bah, voilà, je les présente et ils tuent des chevaux. Ils sont pas polis, surtout. Bah non. Non. Elles sont un peu violentes. J'ai gagné 45 dollars. Bravo. 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 Bon, je m'attendais à plus, mais bravo. 45 dollars, un collier de perles, un couteau, de l'alcool, des pipes. Ah, les pipes, c'est ça, ça le fait. Ah, les pipes, ça le fait. Hein. Il y en a, en tout cas, il y en a au marché de Saint-Denis. Bah, je suis très content. Je suis très content pour les pipes. C'est quand je vais m'asseoir. Ouf. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, parce qu'il... Oui. Non, j'allais dire des trucs, mais non. Parce qu'on fait ça quand on s'assoit. Ah, mais en jupe, c'est moins sympa. Non, mais y a en pantalon, on voit mieux. Je pense que là, on peut y aller. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Assis, debout, à genoux, peu importe, quoi. Comment ça ? Pour la pipe. La pipe, ça se fume de toutes les positions. Merci pour la pipe. Ah oui, et puis Pearl, elle connaît toutes les positions pour la pipe. Hein. Ah, mais il y a la clé, c'est dans la main, et puis on fume, non ? Oh. Oui, c'est la lacune, t'inquiète. Alors, t'as pas d'imagination. Il la tire dans la main. Tiens. Mais arrêtez le pauvre, là ! C'est pas gentil ! C'est quand même mieux sans les mains. T'as pas l'air qu'on trouve une tirisse. Mais comment tu fais sans les mains ? T'es obligé de tirer les dents, du coup ? Oui. Ah bah, non, pas tellement, parce que c'est après, non. Faut pas abîmer l'engin, après. Un petit peu, mais non. Pas trop. Tu vois, tu risques trop de rayer la pipe, donc... Parce qu'après, tu fais des traces de dents dessus, et puis c'est pas... Mais comment tu la tiens, là, du coup ? Tu fais un dessin, ou... Tadé, il y a mon cadeau qui m'appelle. Pourquoi chaque fois que je demande quelque chose, tout le monde s'en va ? Moi, je veux bien un dessin, comme ça, je comprendrais. Absolument. Je te laisse faire ce... Tu as quel âge, jeune humain ? 17 ans. Jeune humain ? D'accord. Je vais te montrer comment on prend un bain avec... Oh, 17 ans ! Eh, 17 ans, ça va. Ah, mais non, mais j'ai déjà fait, ça. Il veut t'expliquer, Max, comment on fait la pipe ? Non. Je vais pas l'expliquer. C'est pas moi qui vais l'expliquer, non. Ah, non, c'est... Ouais, non. Comment ça, c'est pas toi aussi, t'es le père ? Non. Bah tu lui expliques non. Ce que c'est. Je vais lui demander d'aller voir quelqu'un et après elle lui expliquera. Bon, mais Duval. Vous pouvez expliquer à Swan. L'important c'est de savoir. C'est d'avoir une. Vous allez y arriver. je vais arrondir les angles. L'important c'est d'avoir une langue musclée. Je pense que vous avez de la bouteille, Miss Duval. Oh. Oh, oui. C'est pour tenir la pipe du coup. Exactement. On n'a pas les dents, il faut enrouler sa langue autour du. Oui. Du bois. Voilà, autour du autour bois. Autour du bois, ouais. Ah là, voilà. Oui, alors non, parce qu'elle... Elle était pas mal, celle-là. T'en penses quoi, Daphné, de faire des pipes quand du bois. Je vais mettre la langue autour du bois, Daphné. T'en penses quoi. Ah oui. N'hésite pas d'ailleurs à demander à du bois. Hein, personne n'a la langue autour du bois, ok. Moi, j'ai rien dit de spécial. Hein. Ouais, je te connais, hein. Oui. Vas-y que je te bande, etc. Oui, on se perd, vous pouvez expliquer. C'est très important de se bander mutuellement. Ah, j'explique rien, je comprends rien. Il est à peine plus vieux, Prosper. Il a 24 ans. Mais Prosper non plus, il comprend pas. Et moi j'ai été élevé par les bonnes sœurs, hein, je vous rappelle. Ah bah moi je suis sûr que s'il y a des allusions salaces, démoniaques... Mais non, je parle pas de salade. C'est pas les dernières à fumer. Moi j'ai compris que se branler c'était toucher son pipou et faire de la magie avec. Non, on parle pas. On parlait de fumer la pipe. Ah si, après la prochaine fois elle a dit se branler. Du coup j'ai. Et après maintenant la pipe c'est quoi ? Comment tu fais la même chose ? Ah bah c'est différent. J'en ai perdu ma pipe. Allez-y, faites. C'est le plus important. Allez-y. Faites une pipe avec du bois. Non, chérie, calme-toi, chérie. Je rigole. Oui. Non, y a que toi, chérie. Y a que toi. Non. Attends, je peux. Non, arrête pas. Oh. Ah, putain, ça fait mal ça. Ah, c'est beau l'amour. Oh. Excusez-moi, on va faire une balade en amoureux. Hein. Non. Apparemment, t'as aussi c'est. Enfin, sauvez-moi. Ligoter les gens, c'est aussi une pratique. Ouais. Mais là, on va faire un petit tour dans le bail. On va faire un petit tour dans le bayou près de mon hôtel sacrificiel, excusez-moi, on revient. Adieu, Max.
Il y a des abdos. Tu voulais que je monte ma maison. Ouais. J'ai un truc à donner aussi, toujours. Mais, bon. Mais t'as dit que tu voulais pas me le donner maintenant. Mm-hmm. Bah donne alors. Ah, en privé. Bon bah, on revient, on fait du privé. Oui, oui, prenez le temps, prenez le temps. Et du coup, Medieval, vous faites quoi dans la ville? À part chasser, vous avez compris, vous chassez les bêtes. Chasseuses légendaires. Non. Légendaires. On va avec Prosper pour reprendre le théâtre de Blackwater. Ah oui, celle de Blackwater. Vous allez faire des pièces et des chants et des trucs? Bah, faut trouver des gens, c'est ça le problème. C'est que pour le moment, on n'engage pas parce que. Enfin, on lance pas le truc parce qu'on n'a pas beaucoup d'artistes. Tu sais faire des trucs, ah ouais. Toi? Je sais faire des trucs, mais le problème, c'est que quand je suis là, je peux pas les faire. Bonne noyade! Bah, c'est jouer de la guitare. Je t'adore pas! Je vois. Oh, c'est chouette quand même. Ça va être scandaleux. Ouais. Au secours! Dis-moi, mes 100 dollars, tu les as oubliés ou tu vas y repenser là? Mais bon. Dis-moi? Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit donc. T'as vu? Oh! T'as jusqu'au deuxième cheval, après j'ai plus rien pour toi. Hop, tu as essayé. Oh oui, bah j'ai à chaque fois. Ah, mais d'accord. Là, vous faites oui. Oui, c'est pour ça qu'il avait jusqu'au deuxième cheval, parce qu'après c'est dans l'eau. C'est la tradition de l'armadillo. Oui, c'est vrai ça. Je viens pas souvent, mais je vois toujours des trucs comme ça quand je viens. Et vous venez de Saint-Denis, vous, c'est ça? Non, plus, moi à la base, je suis plutôt de Blackwater. De Blackwater, ah ouais. Bon, oui. Bon, d'accord. Et toi, t'es d'ici? Ouais, je suis de l'Armadillo. Je suis fils adoptif de Pearl et. Mais oui. Oui, ça, je sais, mais c'est vrai que vu qu'avant, je te voyais, je t'avais pas vu, je sais pas d'où t'étais, tout ça. Ah, vu qu'il y a un orphelinat à Saint-Denis, je me suis dit, bah, peut-être que. Là, je suis pas orphelin, moi. J'ai encore ma maman qui est du côté de l'Angleterre. Je vois que les chiens sont en ouais. je vois. Là, je suis pas orphelin quand je suis arrivé. Et ça va, enfin, Pearl te traite bien? Ouais, ça va. Franchement, à part les 2-3 baffes et les 4 fois où j'ai bouffé le sol, elle est plus gentille avec moi que Daphné, par exemple. J'ai quand même entendu qu'elle te chantait des chansons, c'est quand même pas sympa. Tu t'es donné de l'argent plusieurs fois, quel ingrat. Oui, mais la première fois que je t'ai croisé, tu m'as fait tomber dans le coma. Oui, mais t'es un enfant, c'est un peu un réflexe, tu vois. T'as dit quoi? Ne quitte pas. C'est vrai. Hein. Ouais, c'est d'ailleurs. Ma maison, Miss Denise. Ah oui. Ah oui. C'est bon, vous avez fini de fumer la pipe? Oui. D'accord. Ce sera pour ce soir. Ah. Ne faites pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là? Allez. Tu vois, la pipe en public, c'est gênant. Je vais essayer. Tiens, Prosper, on va voir la maison de la Miss, on l'a jamais vue. Bah oui, parce que moi j'ai jamais vu sa maison. Alors j'avoue. Elle est jolie sa maison en plus. Bah, on m'a dit. Non, elle est à côté. Non, elle est à côté. Bah, j'appelle moi cheval. Oh, mais t'as pris un chailleur toi aussi. En parlant d'anniversaire, tu penses que Miss Duval elle a de la place pour mettre le nombre de bougies qu'il faut sur le gâteau? Oh, Miss Duval, vous avez entendu? C'est horrible. Je descends là. Non. Je descends là. Vous avez entendu Miss Duval? Ouais, Miss Duval, allez, dis-moi, je vais descendre. Ouais. Pardon, c'est un réflexe. Allez. À l'aide. Ah, et puis attendez, je vais lui mettre un petit coup pour vous quand même. Ah, ça, je me. Oh. Alors, Daphné? Bah alors. Tu m'as fait exprès. Oh, il y a du sang quand même là. J'ai plus de bandage. Ah. Oh, je vais regarder si j'en ai un. Max, vite. Je suis du bois pour les orphelins d'Armadillo. Ah. Eh ben. Mais Daphné, ça a mal tourné, C'était pas prévu. Mais Daphné. Une bonne soirée d'anniversaire à Armadillo. Ouais, faut toujours qu'il y ait un mort à une soirée. Sinon, c'est pas drôle. Ça va, Joe? Je suis désolée, Joe. Oh, ça va. C'est un coup de couteau qui est parti? Non. Non, mais il est un petit peu fragile. Soit je meurs, soit je l'épouse, soit je vois. Mais le Dubois, il est franc en cagette pour se casser aussi vite. Moi, je te conseille de mourir tout de suite. Toi, tu peux donner 100 dollars pour les orphelins d'Armadillo. Fan recul. Je suis désolée, Joe. À cause du cheval. Ah putain. Ouais, j'ai vu ça. Ah. Olé, coucou, Irène. Oui.
Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as désolé, fait? Je suis désolé, Joe. Qu'est-ce que tu attends, as attends, deux secondes, parce que je viens juste de lui mettre un coup de crosse. Oh non. Allez, ça va. Ouais, ça va, super. Oh là là. Non, viens, attends, je vais... Viens, viens, on va aller au cabinet. Ah, mais c'est pas mon cheval, ça. Non, je vais venir. Bon bah... Allez, on est voilà. Parti. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Bon bah, ça c'est fait. Ma maison. Bah oui, quand même. Le problème d'être fiancé avec un médecin, c'est que toutes les deux secondes, quand on veut faire quelque chose, il y a un patient qui vient le chercher. C'est vrai que ça doit arriver tout le temps. Ah. Oula. Voilà. Bon alors tu glisses. J'ai glissé, chef. Ok. Des fois, on est en rendez-vous galant et on doit partir... parcourir tout le pays pour aller soigner quelqu'un, quoi. Ah bah surtout à cette heure-là, il doit en avoir de moins des médecins. Oui, c'est l'enfer. Mmh. Alors je pense qu'il faut éviter les cailloux. C'est le plus... Mais... C'est... On va essayer. Parce que quand on évite les cailloux, il y a moins de chances qu'on tombe, je pense. Eh ben... C'est de la soirée. On vous entend pas. On est là, on est là. Moi ouais, ça va. C'est une petite tanière, hein. Une petite tanière. Ouais, mais c'est rien, ça. Ouais. On peut se chouette des petites tanières. Ouais, les tanières, c'est cool. Au prix de les maisons aujourd'hui, ça vaut au moins 3000. Enfin là. Et vu le cours de l'immobilier. Bon, après, dans la région, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de quoi se loger aussi. Non, c'est ça. Le papy qui est palefrenier, il m'a offert une brosse. Une ouais. Une brosse. Ouais. Ah. N'en faut pas 2000. Tu sais qu'il a dit je suis dans le coup au chef des Apaches, il lui a mis un gros coup de pied dans la tête. Ah oui, il a pas compris que c'était gentil. Non. Même ça, c'est chef des Apaches, c'est pas non plus Joel rigolo quoi. Non, c'est Jaïa l'abeille. C'est Jaïa l'abeille. Jaïa l'abeille, c'est vrai que c'est pas mal Jaïa l'abeille. Ouais, bah dis pas ça parce que Prosper il l'a dit en rigolant, il savait pas qui c'était Jaïa et il s'est fait tuer. Étrangle. Ah d'accord. Voilà. C'est ça. Là, il y a Orca qui demande son changement au réflexe au chat, non, bon. Ça me tue, quoi. Voilà. Oh, c'est sympa, quand même, hein. Vous avez vu la vue? Regardez. Oh non, j'avais pas vu. J'ai pas vu la vue. Il va bien avec la maison, t'as vu? Voilà. Il y a du foin à l'autre côté de la maison, Prosper. Oh, c'est super. Je vais bien mettre... Vous avez vu la vue, franchement? Allez, bien. Même de l'autre côté, hein. Oui, là, oui, ici, même de l'autre côté, mais je trouve que ce côté-là, c'est encore plus joli. Beau, hein. Ah oui, c'est sympa, hein. J'ai payé ça à 480$. Ah, quand même. Ouais, bah franchement, ça va, hein, pour... Et ça va à l'intérieur? Ouais, on peut ah, on peut visiter. Ah, c'est et bien, j'ai ça. Et j'ai ici. Oh, à disposition. Alors ça, c'est vraiment trop top. Ouais, ça, c'est top. En fait, le seul truc qui manque, c'est un point d'eau. Ah oui. Ah oui, c'est que t'es loin de tout, là. Une autre chambre. Pour pas avoir une mauvaise tous les soirs. Oui, bon, des fois on fait du bruit avec son père. Bon, y a une cabane là-bas, au pire. Hein. C'est des toilettes. Oh, je m'accroupis. C'est des toilettes, la cabane là-bas. Ouais, je m'en doutais. Regardez. Eh bah, c'est sympa. C'est tout coquin. Bah, oui. Et regardez, j'ai un lit propre, quasiment. Y a pas de tâches. Ah, bah, profitez-en presque. Parce que ce soir c'est fini. Non, mais j'ai la maison depuis longtemps. Si c'était que ce soir. Ah. Mais c'est joli, hein. Eh bah ben oui, du coup, il dort où, c'est lui. Très chouette. Moi je dors là par terre. Il dort où? Ah oui. Ah oui, c'est vrai que ça manque un petit peu d'intimité. Ah bah non, mais non, ça regardez va, ce un petit que tapis. Je sais faire. Attendez. Il y a une cave. Il y a une cave en fait. Je dors c'est sous excavé. Ma commode. Ça c'est pas mal ça. Oui. On peut faire pareil sous la table. Ah bah c'est... Ah une fois j'ai fait un truc comme ça, j'étais aspiré par le monde alors j'ose pas trop. Je vais gaspiller. Oh, regarde, attention, pardon. Et par contre, il y a que les garçons qui peuvent. Mais nous, on peut tout. Ah non, ça veut pas faire ce que je voulais. Il y a que les garçons qui peuvent s'asseoir sur le lit. Ah oui. Oui. Moi, si je veux aller sur mon lit, il faut que je fasse ça. Voilà. Ah oui, attention, d'accord, poussez-vous. Je me doute. Voilà. Voilà. Ah bah c'est pratique. Super. Ah c'est pratique. Ah généralement bah c'est faut faire plusieurs essais. Voilà. Ouf. Voilà. Moi
pas je dois faire comme ça pour aller sur mon lit. Ça fait un peu des étincelles. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait des étincelles en dessous. Ah mais vous avez... Mais c'est parce que vous avez fait tomber mon seau de sang. Ah bon, d'accord. Mais c'est pour quand j'ai mes règles, monsieur Brosfer. Oh, ah, excusez-moi, je vais vomir. Ça gicle de partout. Ah, vous avez vraiment tout. Ah, ah, ici, voilà. Vous avez vu du sang partout. Faut le vider un petit peu ton seau. Bah oui, mais là, tu sais, j'ai pas vraiment eu le temps. Enfin, j'avais pas prévu de faire venir du monde, je sais pas. Non, mais je sais qu'il y a du fer dans le sang, mais quand même, ça fait des étincelles. Mais oui, mais ça fait du sang, des étincelles. Par contre, vous avez fait tomber tout le sang dans mon lit, quoi. Oh, bah écoutez, c'est un médecin, il est habitué. Ouais, bon, bah, voilà, ça va, quoi. Oh, je dirais que c'est vous qui avez eu vos règles. Oui. Ah, bah, ah voilà, oui, bah ça cool. Pas dire bisous, c'est moins crédible que vous. Ah oui, désolé. Hein. C'est, Daphné, c'est Daphné qui a encore essayé d'assassiner le mec. Ça, c'est crédible. Et je peux faire à manger dans mon petit poêle. Ah je bon peux faire à manger, je peux laver au lavabo et, oh là là. Et j'ai un coffre. Oh, ça c'est chouette. Mal. Oh, d'ailleurs, en parlant de coffre, c'est bien une bonne idée. Tu peux pas mettre mes trucs dans le coffre, s'il te plaît? Quoi? Ah là 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 là. Tu peux mettre des trucs dedans ou pas? Ouais, sûr. Je sais pas si tu peux en fait. Ouvre-le, je te dis. Le petit coin de peur là. Il est ouvert là? Qu'est-ce qu'on entend comme truc comme un. Là. Message de la maison, non. Message de la maison. Est-ce bien, cheval? Oui, enfin, il est agité. Il n'y a plus de place dans mon coffre. Il n'y a plus de place dans ses cheveux, t'as plus de place. Ils sont derrière, au foie. Faites attention parce qu'un peu plus par là-bas, il y a une panthère ou un puma ou un renard, on sait pas vraiment. Ouais, bah en tout cas, ça vous attaque et ça vous met à terre. Regardez, j'ai une blessure sur l'épaule, là. Ah oui. C'était ça qui m'a attaqué. Heureusement que Max est médecin. C'est pas joli, joli. Oh, une fois, j'ai peut-être mis une flèche à Max aussi. Et Max m'a mis une flèche et Cupidon qui nous a... Ouais, ou c'est juste vous qui êtes pas doué. Cupidon qui nous a atteint. Chut, ouais, putain, Swan. C'était beau de dire que c'était Cupidon. Ouais. Mais il est fou aussi. Si vous passez par là et que vous voulez du foin, n'hésitez pas. Hein. Bon, merci. C'est vraiment très chouette de savoir ça, effectivement. Non, elle est bien. Elle est bien. Honnêtement, voilà. J'avais peur que ce soit comme celle de Monsieur Dubois. Je parle de la maison. Et bah, elle est mieux. Elle est beaucoup mieux. Ouais, je la trouve. Elle est propre. Oui. Elle a quoi, celle de Monsieur Dubois? Bah, elle est pas très propre. Ouais. Ah ouais? Il a un lit, il y a une grosse tache de... On sait pas trop ce que c'est dedans. Du caca ou du sang. Il l'a fliqué, être contente. Mais ils ont acheté une maison dans le bayou. Ah. Ouais. Il est parti, les amis. Il y a Max qui nous rejoint, mais du coup, je sais pas de quel côté il va nous rejoindre. Oh bah, je suis sûr, il est encore là-bas. Sinon, on y va, c'était. En train de sauver les granditos. Oui. Ah, il m'a offert un ticket pour voir ma. Ah ouais? Ouais, en me disant qu'on irait faire un tour. Oh, ça peut être chouette. Mais si tu t'es offert, c'est ça, j'ai allé checker mes télégrammes, moi. Ah oui. Ah oui. J'ai peur, trop bien. Il m'a offert un rubis et enfin une bague. Tu me la montres, la bague? Ouais, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je tapote mon cheval tout le temps là? Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. C'est pas pour toi que j'ai un problème moteur. Ah bah, je te laisse rentrer. Moi aussi, elle peut chanter. Ouais, ouais, je vais peut-être te tapoter toi, fais gaffe. Ça ne me dérange pas, moi. Je vais te tapoter les cheveux. Oh là là. Fais-toi rester, Nawak.
Ça prospère. Tu l'as, celui-là. Il fait trop chaud dans ce coin. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Voilà, il fait meilleur, mais tout à l'heure. J'ai déjà mon compte de. J'ai déjà mon compte de du hosting. Mon lit. Ça me marche, des bisous, Fernando. Des alors. Bisous, des bisous. Oui, hein, c'est vrai que bon. Ça se tape, ça se bat, il y a du sang, ça crie, ça court, ça tire sur mon cheval. Ah là. Au secours, oui, quoi. Bon, ça, c'est les Allemandes, là. Ah, bah, les Allemandes, bah, qui restent en Allemandie. Hein. Il y a des panthères vertes ou des grises. Et M. Prosper, vous avez déjà vu un hérisson bleu, ça n'existe pas. Non, mais n'importe quoi, à mais moins y que. Il y a des grizzlies dorés, pourquoi il n'y aurait pas un hérisson bleu? Un grizzly doré, je pense. C'est parce qu'il est un peu jaune. Bah, mais oui, c'est ça, c'est qu'ils ont des poils qui reflètent la lumière. Bah non, mais c'est un hérisson bleu. Non, monsieur Prosper, si ça se trouve, c'est un hérisson légendaire. C'est un hérisson étranglé, surtout, ouais. Oui, c'est un hérisson étranglé. Ou un hérisson qui est mort dans le froid. Voilà, là, il devient bleu, ouais. Ou un hérisson qui est recouvert de bleu parce qu'il est trop tombé. Oh. Mais jusqu'aux épines. Oui. Mmh. Voilà, ou après, il y a peut-être des gens qui s'amusent à peindre des hérissons, après, hein, ça. Il y a des lubies bizarres. Bizarre, hein. Oh. Mais il y a plein de gens tellement bizarres. Les gens, c'est Sonic, oui. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah. D'accord. Ouais, ouais. On va voir notre télégramme, nous. Oui. Encore vous. Bien, encore moi. J'aime bien le encore vous. Qu'est-ce qu'elle a, le collègue? Coup de sabot. Allez, j'y vais, ça marche, des bisous, fin de loup. Allez, vérification. Aïe, 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 aïe. Ça va? Ça va, Dubois? Oh, il y a une réponse. Du coup, c'est peut-être le moment que je vous parle des orphelins de l'Armadillo. Il y a 4 minutes. Oh, ça va. Oui, pourquoi pas, je suis à Blackwater, là. Ok. Ok. Bon, premier lieu qu'on y va, et puis, comme ça... Ouais, voilà. On voit. Je vais prendre mon truc. Bon, sauf que cette fois, moi, je vais pas me coucher au petit matin. Hein. Cette fois, je vais pas me coucher au petit matin, moi. Non, bah non, bah, moi non plus. C'est bon, ça, faut y aller maintenant. Oui. Madame Baronne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir à Pearl, oui. Elle est où? Bah oui. Oui, je sais pas. Je sais pas où qu'elle est. Dans le salon, peut-être. Oui, il y a le cheval, là. Ah, on va aller voir. Oui, c'est ça. Pas du tout. On peut partir. Ah. Oh. J'ai essayé de fouiller. Pardon. Elle est où la Miss Pearl? Non, on va y aller. Elle est ici dans le cabinet des médecins. Allez. Ah, ok. Ah. Mais c'est moi ou il a de la barbe? Le petit Swan, là. J'arrive pas à voir. J'ai l'impression qu'il y a de la barbe. Je vais lui dire, j'arrive. Ça marche. Oui. Cours toujours autant partout. Oui, je suis vivace. Ah oui. Bon, on va t'abandonner, nous. Oui, oui. Vous faites quoi? Vous allez vous coucher ou... On va pas trop tarder, on va à Blackwater pour un petit peu tenir compagnie à Monsieur Duke quand même. Parce que bon, okay. C'est vrai qu'il est un petit peu tout seul. Et il est un peu parti en flèche. Un petit peu, ouais, donc bon. Oui, mais... je comprends. Oui. Je comprends un petit peu, oui. Je sais pas, peut-être qu'il m'a envoyé un télégramme. De toute façon, j'ai dit que je le rejoignais plus tard. Ah oui, d'accord. Ah bah peut-être que ouais, bah, peut-être qu'on se croisera alors. Si on n'est pas couché, et puis c'est sinon. C'est pour ça que je vous demandais. Bah, de toute façon, on se verra bientôt et tu me tiens au courant pour, oui, pour tout. Ça marche. Okay. Ça marche. Bisous, et bah, des bisous et peut-être à tout à l'heure. Pour les cadeaux, bah, avec plaisir, c'était chouette. Des bisous. Allez, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Oui. Tu veux pas aller te coucher? Et hop. Salut, petit Swan. On file. Bonne soirée. Salut. Ouais, j'ai fait la tempête. On n'a pas dit au revoir aux autres. Bon, c'est pas grave. Oh, bon. Hein, voilà. De toute façon, il reste pas spécialement avec nous non plus, hein. Oui, c'est pas fou. Non, mais c'est vrai que ça met une drôle d'ambiance, toute cette histoire. Ouais, mais j'aime pas ça, moi.
Non, et puis bon, les deux là m'ont énervé aussi. Oh ouais, franchement, oh, oh. Quoi. Oh là, oh. Ils ont tiré sur mon cadeau, hein, c'est beau cheval. Oui. Non, et puis on tire pas en ville. Hein. Mais non. Enfin, sauf pour un braquage, là c'est toléré. Et puis même Daphné et M. Dubois là, ils se mettent des coups de crosse dans la tronche et ils se dégotent toute la journée, ils sont un peu bizarres quand même. Ah oui, pour Daphné, je sais qu'elle est un petit peu comme ça. Hein. Ah oui, mais quand même. Ça après, ça fait partie de leur truc. Hein. Monsieur Dubois, c'est pas Monsieur Duke, hein. Vous tapez dessus, tu. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit, hein. Monsieur Dubois, c'est de la cagette, hein. Il voit mais... hein. C'est ça. Avec tout. Avec tout le respect qu'on lui doit, voilà, quoi. Ah bah, oui. Bah, je respecte, mais. Ah non, moitié. On respecte, mais bon, voilà, quoi. Oui, bah, moi, hein. Et t'as entendu ce qu'il m'a sorti, quand même. Non, non, j'ai pas entendu. A dit. Vous a dit quoi? Le jour où ce sera anniversaire de Madame Denise, est-ce que il y aura assez de place si vous passez pour les bougies sur le gâteau? Ah oui, voilà. D'accord. Enfin, à peu près, hein. J'ai mis ta petite peu mal. Ah, c'est gentleman, hein. Oui, du coup, bah, c'est aussi pour à cause de moi qu'il était par terre en partie, mais bon. Ah oui, d'accord. Fallait que je me vende. Je l'ai juste pris au lasso, je l'ai pas ligoté ou quoi que ce soit, j'ai juste chopé au lasso. Oh, et après, va, et c'est pour ça Daphné a voulu me venger aussi. Elle a dit attends, ça mérite quand même plus. Et elle a mis un coup. Bon bah, c'était un coup de crosse en plein milieu de sa tempe là. Oh bon. Hein. Bon. Ça giclait un peu quoi. Il a des tempes, il faut bien que ça serve. Oui. Non, ces tempes elles sont en cagette, hein, désolé. Attendez, je fais nourrir le cheval pour courir plus vite. Oula! Calme-toi, on n'est pas pressé. Je me suis quand même vachement. J'ai été raide hein, sur le freinage. Ah oui, et puis d'un coup, t'as été. T'es compliqué. J'étais tout mou d'un coup. T'étais mou. Faut pas être mou comme ça, hein. Ça me ressemble pas. Faut être mimou. Eh, mimou, c'est bien. Mm. Faudrait qu'on essaye de regarder un animal légendaire pas trop loin. Ah oui, moi je vais regarder. Oui. Alors, les animaux légendaires. Chasse légendaire. Donc pas trop loin de l'aquatée. Oui, c'est ça, un peu dans le coin, un petit peu. Bah, en évitant peut-être le New Austin. Ou peut-être du côté de Valentine ou un truc comme ça, quoi. Alors, le souci, c'est que je connais pas trop les noms des bleds, donc je suis obligé de regarder en même temps. Mais on je regarde. Wow, ah, Great Plains. Ah, bah ça, c'est complètement près de chez nous, ça. Mais c'est quoi? Ah, bah voilà. Oui, c'est plus Valentine des Great Plains, je pense, non? Non, c'est Blackwater. Ah, d'accord. Ok. Bah, ouais, on peut faire ça. Alors, j'ai oublié. J'ai trouvé. Si c'est le bison. Si c'est le bison blanc, on va se faire appeler Jules. Ah oui, c'est le bison. Ah, voilà. Bon, on va regarder autre chose. Enfin, au pire, on fera n'importe quoi, on s'en fout. Hein. Ah, il faut du maïs après, donc c'est un peu chiant. Je pense que les herbivores, ça peut être chiant. Bah, y a un étal de légumes à Blackwater, donc normalement. Ah, oh bon, bah ça va alors. La grasse, c'est où ça? La grasse, c'est du côté du bayou, je pense, non? Ouais, ça doit être ça. Oh, y a des loups. Oh, c'est peut-être le crocodile. Bah oui, c'est un autre crocodile. Et sinon. Oh là là. Ah, moi, les noms des bleds, je les connais pas. Je regarde. Sinon, il y a un castor qui est tiré par du bois. Le castor, c'est près de là où on était, en fait, je pense. C'est à Wanjila.
Mais bon, il n'y a pas d'horaire. Il faut passer... Ah. C'est le lac pour... qui est près de Strawberry. Pour le bois, il faut passer près de Strawberry alors. Mais de toute façon, il n'y a pas d'horaire, alors ça va peut-être être un peu chaud. Ouais, c'est ça. Ou alors on peut retenter le cougar qu'on avait fait avec une viande de cochon. De... Une viande de porc. Bah là, du coup, on n'est plus dans le coin. Mais oui, on peut. Ah ouais, oui. Bon, jeter un œil parce que je sais pas où il est. Ah, je regarde la map. Je regarde la carte. Je regardais la carte, désolé. Alors. Pas de soucis. Ça va, je l'ai pas dit à haute voix. Je l'ai dit à vous. Peut-être pas des télégrammes. Bah non, t'es passé à côté, j'imagine. Je regarde partout, mais je sais pas où il est. Je pense que on retourne près des télégrammes peut-être. Oui, on va peut-être attendre là-bas. Oui. Il va moi je pense peut-être. Que c'est s'il revient dans le coin, s'il est parti faire un petit truc, et ben il va être près des télégrammes, je pense. Oui. Il y a quelqu'un là. Ah bah voilà, c'est lui. Ah bah voilà. Et hop. Bonsoir. Qui que v'là ? Hop là. Dis-nous. Vous allez légendariser ? Bah, on a bien envie. Ouais, moi j'ai des tickets à gratter à acheter. Oh putain. L'addiction, quoi. Pas du tout, j'arrête quand je veux. C'est juste que je peux pas m'en passer, ça n'a aucun rapport. C'est ça. D'ailleurs, elle a gratté d'autres repas. Elle est arrivée. Ah, elle a 45. Ouais, ce qui est pas fou en fait, je m'attendais à ce que ça. 45 dollars en tout ? En tout. Mais oui, c'est quoi ? Ah bah vu que j'ai dépensé 125, ouais, clairement c'est pas wow. Fou. Oh ouais, non mais c'est n'importe quoi le truc. Ah bah oui, 50 tickets. Et moi avec quoi ? Nous on a mieux gagné. J'en ai gagné 40, hein. Ouais c'est ça, nous on a bien gagné en fait. Ah bah si vous avez gagné 40 avec vous, ce que vous avez mis, oui. C'est le karma, c'est pour ça. Ouais. Bon bah écoute, c'est nous, moi, un cadeau d'anniversaire. Ah oh bah oui, mais elle a tout gratté, elle s'est bien amusée. Oui, et après elle a fumé des pipes et elle était contente. Bah oui. Ah, bah voilà. Ah et puis elle nous a montré sa maison, j'avais pas vu. Elle a une petite picoque. Ah oui, je la connais, elle est cool sa maison. Hein. Eh bah oui, et vraiment pas bien. Elle est cool, mais faut se méfier, il y a un seau sous le lit, faut pas y aller. Oui, un seau qui crépite. Oui, il y a un seau qui crépite, mais moi, maintenant je sais ce que c'est, faut pas y aller. Ah ouais. Et puis, il y a parfois des loups en bas de sa pente. Ah bah elle nous a dit aussi qu'il y avait une panthère, non ? Pas une panthère, un cougar, ouais, mais elle est pas... le cougar, il est pas à côté non plus, mais... Ah d'accord. Autant le cougar, bon, si elle fait attention, elle risque pas trop de l'encontrer. C'est comme chez moi, en fait, le cougar, vous voyez ? C'est... Enfin, si ah oui, si. On l'a croisé, il y a un peu dans le champ, un peu loin d'à côté, quoi. D'accord, ah oui, donc c'est pas au pied. Mais il y a des loups, alors, ok. Par contre, des loups, oui, elle descend sa pente, il y a des loups qui attaquent, des fois. Ah oui, quand même. Bah c'est sympa. Ça arrive. Après, quand on le sait, moi, c'est comme le cougar d'à côté de chez moi, il me fait plus rire grand chose puisque je sais exactement où il est. Ok. C'est vrai. Mais allons légendariser, hein, si vous voulez. Bah oui. Vous avez trouvé un petit spot Je vais acheter un piège et je vais en faire aussi avec vous. Ah bah allons-y. Parce que je pense que de toute façon, on peut aller que en chercher à. Là-bas. Voilà. De toute façon, vous avez votre piège et vous avez la liste, donc on peut déjà. Mais y a, oui, il n'y a pas une biche là à New Austin, là, celle qu'on avait fait ? Une super biche légendaire. La biche légendaire. La biche légendaire. Alors, je regarde. Il y a l'ours d'or pas loin là, à Toltrige. Ah oui ? Le grizzly doré là. Parce que oui, c'est ça le problème, c'est que moi je connais pas forcément les noms des régions, alors je mets un temps fou. Et ah bah Toltrige à côté. Il y a un grizzly, normalement il y a un grizzly doré. Toltrige. En plus, il est tard, normalement. Ah oh, bah c'est pas mal ça, il faut de la viande. Avec des flèches, je sais pas ce que il faut quoi comme viande ? Viande quoi ? Viande de gibier. Ça veut dire viande quoi, de gibier, c'est, oui. c'est une c'est dinde. C'est un dindon ? Un gibier, c'est viande de, peut-être de cerf ou de choses comme ça ? De gibier, oui. Il n'y a pas de viande de cerf. Mais viande de gibier, oui, si, ça me dit quelque chose. Bah quand on chasse, on n'a pas un peu de viande de gibier ? D'accord. Bah, c'est quelque chose pour la viande veinée. C'est viande veinée, je pense. Est-ce que ce serait ça alors ? Bah c'est bizarre parce qu'il y avait écrit viande veinée. Coyote ? On va fumer un coyote, je crois que s'il faut fumer un coyote pour avoir de la viande de gibier. Ah bon, coyote ? Au bout du jour ? Ah oui ? Ouais, j'ai une illumination comme ça.
Oula. J'ai failli vous faire descendre de force. Il y a des coyotes dans la plaine, on va voir. Mais non. Ah oui, pardon. Excuse-moi, je regardais mes documents. J'allais monter derrière et ça fonctionne pas. Bon non, tu conduis. Hein. Ok, bon bah du coup, je sais pas. Eh ben on va fumer 2-3, il y a d'ailleurs des coyotes dans la plaine là, et puis on a ce qu'il faut. D'après la liste, il y en a plusieurs de toute façon qui sont attirés par ça, donc ce sera pas perdu. Ok. Ah bah de toute façon, dans 4 minutes, il y a tempête. Ah oui, ça se couvre. Ça se couvre un peu. Il y a 2 chouettes culottes plus une chauve-souris qui sont passées. La chauve-souris pré-tempête. Oui. C'est surtout la chouette culotte. Parce qu'on peut aussi avoir, avec cette viande-là, on peut aussi avoir un runner. Mais je sais pas où c'est, Southfield Flat. Flat, c'est plat. Ce serait pas les trucs New Austin, là, les cailloux orange. Et peut-être. Bon, faudra regarder. Et normalement, j'imagine que c'est bien ça, une panthère aussi qui est attirée par ça. Enfin bref, la viande de cette viande-là, elle attire plusieurs bébêtes. Ce sera pas perdu. Et l'ours, c'est... Oui, c'est Toltry, c'est ça? C'est quoi? Ah, c'est des biches. L'ours, c'est Toltry. L'ours, c'est de 16 avant. Donc on a le temps de chasser, quoi. Ça y est. Ouais, peut-être mieux qu'on descende du cheval, s'il y a la tempête. Oui. J'ai complètement perdu Monsieur Duke. Comment on l'a perdu? Bon, moi, je regardais ma carte, mais... Oh, c'est un coyote. Je vais l'écraser, je pense. Ah ouais, d'accord. Là, t'as de la chance, j'ai pas un flingue. Ouais, j'ai une petite musique qui vient en tête. Oh là là, mais au secours. Et moi, je peux pas utiliser mon arc. Non. Non, je peux pas. Ouais. Ah, fais-moi son malin. Il se rebarre. Allez-y. Ah oui non, d'accord. Excuse-moi, j'ai mis du temps à comprendre. Oui, il est où? Ça va redémarrer. J'ai arrêté là la VOT. Bisous VOT.